Bonjour, bienvenue sur Chou French Tutor. Aujourd'hui, nous allons faire des homophones. Nous allons voir la différence entre A avec accent et A sans accent. Mais avant tout, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la notification et d'aimer afin de ne plus rater notre vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne. Alors, comment utiliser A avec accent ou A sans accent? Premièrement, A avec accent est-il préposition. A avec accent est invariable, c'est-à-dire il ne change pas. Par exemple, je vais à l'école. À Paris, nous aimons les fleurs. Maintenant, A sans accent est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. A sans accent peut être remplacé par l'imparfait ou un autre temps. Par exemple, il a 10 stylos. Il avait 10 stylos. La façon la plus facile de distinguer entre A avec accent et A sans accent est de mettre la phrase dans un autre temps, comme l'imparfait. Par exemple, il a dit qu'il est malade. Il avait dit qu'il est malade. Ici, nous avons remplacé a par avait. Au contraire, il voyage à 6 heures. Ici, il est impossible de changer la phrase dans un autre temps parce que A avec accent est invariable. On écrit toujours A avec accent devant un infinitif. Par exemple, il pense à voyager ce soir. Il pense à rentrer chez lui. De l'autre côté, nous utilisons A sans accent devant un participe passé pour former le passé composé. Par exemple, il a cru voir ses enfants. Il a mangé tous les fruits. On utilise A quand il s'agit du verbe avoir. Si au passé, on peut remplacer A par avait, il s'agit bien de A. Maintenant, on utilise A quand il s'agit d'une préposition. On ne peut pas remplacer A. Comme bonus dans cette vidéo, nous allons vous proposer A, c'est-à-dire AS. AS est le verbe avoir conjugué avec tu. Par exemple, tu as 10 ans, tu as un stylo, tu as une voiture. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. À lundi prochain. Au revoir.